des bagages qui sont disponibles et peut-être qui sont capables d'aider au développer et faire grandir. Malheureusement, tout le temps obligé consacré dans le problème PIA, dans le handicap fait ceci, le handicap fait cela, les gens qui sont dans l'État, qui pas assumé responsabilité, qui cause que bah elle arrive là, parce que bon côté bah elle a sorti pour arriver là, c'est certain. Maintenant, où est bon démarche pour attaquer à l'école? Bon, écoute, monsieur attaqué, il a vandalisé nouveau collège Bird, et nous on la pomme avec collège Bird, donc on sentiment pour l'école ça quand même, parce que quand même c'est là me fait toute classe secondaire moins. Et qui sont l'école gagné avec des monde pour décider ou dire mettre la sac et baronne. On va parler forcément de collège Bird, on va parler de quelle que soit l'école là. Parce que l'on considère indoutable font bataille et que bataille là bon son bas idéologique gon bagaille ou vle ou a imposer ou a exiger etc. Nous pourquoi j'aimerais aller dans casa. Dans la bataille, tout le monde, craser l'hôpital, craser l'école, craser toute qualité de bagaille. Excusez-moi. Et je pense que il y a des gens là qui associent avec ce qu'a fait là, je pense qu'ils signent un arrêt de mort. Qui signent un arrêt de mort, notamment sur le plan politique. Je pense ça. Ils signent un arrêt de mort sur le plan politique. Parce que, excusez-moi, ça qu'a fait là, pas grand-chose possibilité pour le monde associé à lui, pas grand-chose possibilité pour le monde revendiquer, et aller ouais pour le monde ou en kessel. Ouais. Et parce que, de toute façon, ces pays-là qui a éliminé. Ces pays-là qui a éliminé. Bon, il est vrai que, il y a des gens qui disent oui, mais attention, ça nous est là, puis nous finissons craser le net, etc. Mais attention, ce n'est pas des wins que nous avons crasé. C'est des bagailles des gens qui font des efforts, des bagailles que la nature passe sous eux, ils ont quitté au campé. Il y a qui ont pris des frappes, il y a peut-être tout janvier 2010 qui ont subi dommage, mais qui n'ont pas tombé. Ok? Ils ont mérité réparation, donc ils ont réparé. Et puis c'est nous-mêmes les hommes haïtiens, nous décidons, nous dit bon, on a crasé. Et une quantité de monde, par exemple, qui vient d'attendre ça, ils ont privé, et puis ils ont dit bon, écoute, c'est rien d'étonnant. Et parce que les gens n'ont quitté la population, ça a grandi. Et lui grandit en sauvage. Donc, réaction là, toujours des réactions sauvages et des réactions de sauvage. Et ceci, c'est dans le comportement nous, où on rend compte que, en pile fois, nous n'avons pas même tenu compte de un rien qui peut-être est capable, même s'il petit, mais au moins en termes de principe, en termes de mise en place, et ouais, pour que nous connaissions que institutionnellement, il y a des bagages qu'il faut que nous respections, etc. Par exemple, nous avons des bagages qui vivent là, en juste garder, nous sommes mal. Ça m'a dit un petit exemple très très simple. Les petits, mais toutes les petits, quelque part, les gros bagages, ils veulent dire. Moi, j'ai gagné une autorisation, je n'ai pas cherché dans un cabinet et d'avocat, et on l'a. Et puis, avocat ou bien notaire, on va dire comme ça. On l'a dans eux. Et puis, l'homme rivé, même plus que notaire, l'homme rivé, et bon, m'apprétend, j'ai de l'autre monde qui vient, on nous apprétend, mais nous parler avec le secrétaire là-devant. Il dit oui, d'accord, ok, d'accord. Ou explique qu'il soit une fête, dit d'accord, il prend pièce sur la main, patati patata. Et puis, après un petit temps, dame n'a gardé bien vague. Il dit, monsieur Numa, excusez, et m'a observé, oui, mais le problème, non, c'est parce que il faut que tu as signé et tout papier, ça, là, même pas une plume. Moi, je dis pas rien qui ça? Il pas une plume. Il dit, oh. Cabinet avait une plume.
Il dit, bon, et je te plume là, mais je ne pas côté de la gueule, comme ça. Ça te demande qu'on ait la forme saute dehors, parce que plume était dans la valise, dans la machine. Pour me sauter dehors, je prends la plume pour me casser. Mais qu'on a l'homme fin et fin signé. Vous d'accord avec moi, je ne vais pas la plume ça. Pourquoi ça? Pour une raison très simple. Parce que et l'autre monde. L'autre monde n'a pas besoin de signer. Il n'y a pas forcément de plume. Donc, je suis obligé de quitter la plume pas dans Bali. Comprenez? Alors que ça, il pas de arriver. Il pas de arriver. OK? Moi-même, la caille, moi, évidemment, qu'on aime utiliser plume, m'achète une boîte plume. Donc, une boîte plume, la caille, moi. OK? Ça qu'est arrivé que plume qui était dans le même nom, soit m'a à côté de la gueule, soit à bon l'autre, parce que bon boîte. OK? Bon, maintenant, combien de bon boîte, une petite boîte plume, van, qui est combien? 12 peut-être? Combien de havan pour cabinet? OK? Donc, son négligence est terrible. Mais on pourrait que mon n'a pas trouvé ça un grave, non? Ou ka bo ap eksplike l, men sa pa normal, non, pou ke m vini, n bagen ploum pou moun siyen, etc. Men, ou ka sezi ou, moun nan pa estime ke sa, hein. Gomba e ki rive, par exemple, matin, e nan aéroport ou ka pa isi, hein. Par yon person ki pal dim ke sa pa grav. Pou mwen, se tre grav. Gon vol ki prevoa. Ok? Son vol ki pal fèt, an di a 8 heures. Ok? Voilà la fête au Cap pour venir au Caï. Pas oublier, fonctionnaires viennent chercher clients qui au Caï, qui pral aux États-Unis. Donc, faut qu'on passe par au Cap pour permettre que on prenne avion. Ok. Leur arrivée, moi gagne au monde que me dégaine pour me dévouer chercher n'importe. Et puis, dans l'heure pour voler la fête là, voler la retardée. Ça arrive même dans les meilleures familles. Ça arrive dans tout le pays. D'accord. Maintenant, l'heure mon nan vini. Et puis, lui expliquer un bagage qui est extraordinaire, qui dépasse l'entendement. C'est que, lui dit, il a fait tout passage et vini. Cependant, personne ne va venir avec un comme bagage, comme valise. Moi, je dis, ça passe, ça fait ça. Ils ont bien expliqué que leur arrivée dans l'aéroport là, d'abord, son embouteillage extraordinaire. Depuis qu'il y a tout embouteillage là, d'accord, raquette à manger. Ça veut dire que les gens qui ont fait comme là, pour passer, pour arriver en train dans l'aéroport là, car obligé faire quoi d'abord, police a fait quoi d'abord, employé n'importe là fait quoi d'abord, donc une quantité de monde qui a fait quoi d'abord. D'accord. Maintenant, le arrivé tout en bouteille à l'intérieur, il y a une personne qui est placée pour une dans section bagage là, côté pour passer en barrière pour vérifier bagage, il n'y a une personne dans section ça qui vient travailler. Pas une personne dans section ça qui vient travailler dans la première heure que vous êtes supposé venir travailler. Or, fok avion embarqué, fok yo moun yo okay, parce que de toute façon, ça vous comprenez, c'est que vol dans l'avion, même si vol sur le Port-au-Prince pour aller au Cap, en retard, il risque un problème sous vol qui est sur le Cap pour aller au Cap là, et le Sahara, il risque de faire vol dans l'avion en retard. Comment logique là? Donc, personne dans cette section va venir à 21, non, regarde. Ok? Il y a une personne à venir, or, il n'y a pas qu'à juste prendre bagage, il faut fouiller un avion sans aucun contrôle, sans aucun check, ça ne peut pas monter à avion, il ne peut pas monter à bord. Ouais, donc, tout ça, on est comme possible. Maintenant, il fallait décider. Il fallait décider. Donc, il décide, il est obligé de prendre, il est obligé de venir pour voyager. Il a passé, personne n'a gagné. Ok, il va passer. Et puis, qu'on y a, on va obtenir le prochain vol là, qu'on a fait dans la mi-temps. Prochain vol là, la fête là, et ça, il y a porté bagage. Ok? On a juste imaginé que mon cas rentré sous au Kaila. Son activité là, vient faire, et puis il gagne, par exemple, matériel, pour venir organiser formation, hein, venir animer séminaire, par exemple, on dit tout est dans le bagage là. T'es la valise là. Donc, à ce moment-là, on a fait formation. Ok? Et puis, voilà.
c'est un formateur à venir. Mais il n'y a pas de manger parce qu'il n'y a pas de matériel pour le faire. Parce qu'il était dans la liste, il a venu dans le temps journée. Ok? Ça veut dire que Haïti, quel que soit le problème, là ou non, pas gain haïtien réel. Parce qu'il faut que les gens quand même. Et ça, c'est un problème de management. C'est un problème de management. Je vais vous expliquer que, comme si ça, c'est normal, ça a eu. Non. Non. Écoute, tout le monde n'est pas venu en même temps.